is the mine primarily. Two, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely. Since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well, Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this three-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step one, make people aware of this. Step two, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step three, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Voilà, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc, la politique de la France et des restes de la communauté internationale extermine immensément des enfants du Congo RDC à cause des pillages de cobalt, du coltan, du tantal et tout autre minerai du Congo RDC, ainsi que d'autres minerais des autres pays africains. On ne peut plus continuer comme ça. La vie humaine, elle est très importante. Mais qu'est-ce qui se passe? Les multinationales et les dirigeants de la communauté internationale profèrent les minerais africains que le peuple africain. Hein? Mais monsieur le président, c'est une honte. Les minerais qui sortent du sous-sol africain doivent, et les Africains doivent être aimés comme ces minerais-là. Parce que la communauté internationale vole les minerais en Afrique, mais la communauté internationale en même temps organise des trafics d'organes en Afrique, là où il y a des guerres. Voilà, il y en a marre, monsieur le président. L'être humain devient maintenant un cobaye. Mais il y en a marre. Il faut que les choses changent. Nous nous demandons à ce que Hippolyte Kanambe, Hippolyte Kanambe, qui est soutenu par la communauté internationale, qui ont pris le Congo en otage. Mais monsieur le président Emmanuel Macron, les Congolais vont se lever, la révolution, soulèvement, pour en découdre avec Kabila. Et ils vont libérer toute la surface de leur pays. Parce que la constitution congolaise permet au peuple congolais de se lever pour défendre la terre de leur pays. Mais ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc l'immigration, vous avez parlé aujourd'hui sur RFI en pointant de doigt les enfants, les familles qui ont 8 enfants. Mais grandement faux, c'est pas les enfants. C'est la mauvaise politique de vos petits préfets marionnettes de la France-Afrique. Et il faut que ça change. Assez à la dictature qui opprime des milliers et des milliers de vies en Afrique. Les Africains, on en marre, monsieur le président. Voilà. Donc, j'ai fini. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, au lieu de recevoir les dictateurs à l'Élysée, au lieu de sourire avec les dictateurs africains,
montrer une politique de changement vis-à-vis de l'Afrique. Et la jeunesse africaine, elle n'accepte plus que la France continue à les écraser. La jeunesse africaine veut se libérer, veut en découdre avec la dictature de la France et du reste de la communauté internationale, parce qu'il y en a marre. Et les Russes ont compris, c'est pas pour rien, les Russes, maintenant ils sont en Afrique. Parce que les Russes ont compris que la France et le reste de la communauté internationale ont trop fait du mal aux pays africains. 28e siècle, l'Afrique n'a pas de robinet d'eau. Hein? Toute l'Afrique manque d'eau potable. Mais la honte, pendant ce temps, nous avons des grands fleuves. Mais il n'y a pas d'eau dans les robinets. Le peuple font des kilomètres avec des bidons jaunes. L'Afrique devient le terrain des bidons jaunes. Est-ce qu'à Paris, il y a des bidons jaunes pour chercher de l'eau? Non. Mais c'est une honte, monsieur le président Emmanuel Macron. Voilà pourquoi les gens fuient l'Afrique. Donc ne dites pas que la misère de l'Afrique, c'est 8 enfants. C'est pas ça. C'est la politique française. Le message est clair, monsieur le président Emmanuel Macron. Merci de m'avoir suivi. À bon entendeur, salut.